à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gameki et on se retrouve aujourd'hui les gens pour une vidéo que vous attendez depuis très longtemps, je dirais au moins 2 ans exactement. 3 ans même depuis qu'on a emménagé dans notre appartement, et bien voilà. C'est le room tour plus setup avec nos PC, nos matos voilà. Et tout ce que vous voulez savoir à propos de notre configuration. Un petit upgrade depuis 3 ans, ouais. La dernière fois on avait déménagé, on avait tout aménagé, on vous avait montré, et bien ça a beaucoup évolué depuis. Ouais, on a fait un peu de déco, on a acheté pas mal de meubles, ouais. La salle de collection, le setup il a pas mal changé récemment, même mon setup, enfin voilà, vous allez voir un petit peu comment on travaille, où est-ce qu'on travaille et avec quoi. Et donc faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus. Si ça vous fait plaisir, Jean, faut faire péter la barre de pouces bleus. Hein. À s'abonner à notre Instagram, à notre Twitter qui sont dans la description. Si vous voulez d'autres photos voilà. Avec des upgrades de temps en temps, des fois on montre un peu et ce qu'on fait. Et un maximum de pouces bleus parce que franchement vous avez été très très nombreux. Ça fait longtemps, ça fait à longtemps. Demander, une petite vidéo room tour. Ouais. Et donc on va commencer, qui fait la visite en premier? Bah toi, on est dans la chambre parce que ouais. C'est tout au long de l'appart. En fait, on va remonter progressivement jusqu'à la salle de collection, voilà. Ce sera la fin. Bah on commence par la chambre alors. Ouais. Voilà, c'est parti. Et du coup, c'est la chambre. Alors, bah oui. Les aménagements qu'on a fait dans la chambre, ils sont assez moindres. Bah on a changé ça. Donc j'ai collé, c'est du vinyle par-dessus les portes qui étaient complètement blanches. Et ça rend vachement bien, regardez de loin. Ça fait classe, c'est de la poudre aux yeux. Hein. Ouais, on voit en haut là la démarcation, ouais. Mais faut pas faire gaffe. Faire attention, on est trop petit pour, voir. Il y a le miroir. Oui. Peut-être faire des belles photos Insta avec le miroir, en fait ça rend trop moche. Coucou, c'est moi. Ouais, parce qu'en fait il est pas assez grand, l'anecdote elle est pourrie. Bah, elle est un peu trop petite la chambre pour tout ce qu'on a, parce que là du coup il y a des vêtements, il y a des cartes Pokémon aussi, il y en a beaucoup. Il y a trop de trucs, on vous montre pas, il y a trop le bordel. Il y a déjà plein de vêtements ici, il y a toutes les Easy qu'on vous avait promis. Il y a trop de trucs, il y a quelques sacs aussi. Et voilà. Et là, il est derrière toi. C'est lui. Regardez, il est là. Eh bien, c'est ça. Voilà, super lapin. Donc là, on met toutes les chaussures ou les boîtes, on s'en fout. Parce que lui, il bouffe tout. Victime du lapin. Les dégâts. Genre, ah bah voilà. Non, mais il va faire son spectacle aujourd'hui. Parce qu'on bouge partout, on parle. Vous allez voir, il nous suit. Hein. Il nous suit énormément. C'est un vrai petit chien. Non, mais il veut vraiment passer à la vidéo. Il y a plein de trucs. Il y a des pulls. Bah, surtout les pulls et les manteaux et tout. Ouais, pulls, manteaux. Non, surtout pulls. En fait, il y a une partie Guillaume, une partie Kim. On a autant chacun. Et ça, on a réaménagé parce qu'avant, c'était une commode. Et en avec fait, on avait beaucoup trop de choses avec les Pokémon et tout. C'était. Bah, c'est pas forcément plus léger. Ouais, c'est pas forcément plus léger. Non. Mais au moins c'est pratique parce qu'on a pas mal de fringues, c'est déjà pas mal chargé là-bas, ouais. et voilà. Et donc il y a toujours la collection. Il y a plus de fringues. Toujours la collection Hello Kitty. Oui, d'ailleurs il faut que je réaménage aussi. Il faut changer. Ouais, il faut changer. On a rajouté un tableau. Mon dieu, incroyable. Ouais. On a accroché un tableau, les gens. Et il vient de vendre celui-là. C'est un artiste, ouais. C'est tout. Il est unique. Il est très gentil d'ailleurs. Il reste un petit truc dans la chambre, donc c'est tout petit. Hein. C'est mon setup, c'est pour moi, c'est le coin Guigui. Mon PC que j'ai mis là, il est récent celui-là, j'ai changé le boîtier et tout. Bon, après il y a du gros config dedans. Ouais, c'est ça. Il y a le trépied. Il y a le spot et le gâteau qu'on a là-bas aussi, on en a deux, c'est vachement bien. Ouais, ça c'est vachement bien. Un écran sans pile parce qu'il y a petit bureau, et du coup le clavier, la souris, Logitech, je sais plus c'est quoi, je me rappelle plus. Et c'est un petit truc mou pour pas se faire mal au poignet, voilà. Et du coup il reste le petit casque, connaissez, qui fait de la lumière, bon, qui a pris un peu de poussière parce qu'on joue moins à Fortnite. Ouais, sur le voilà, PC, c'est on ça. Joue sur PS4 maintenant. Après la chambre. La salle de bain. Oh là là, c'est lumineux. Oh, c'était tellement pas prévu. Genre on a laissé la lumière allumée. Waouh, incroyable. Et donc là, c'est la salle de bain. Voilà. Et ça, c'est le home staging. On a fait maison à vendre, version maison pas à vendre. Ouais, on a changé les poignées. C'est un truc tout blanc, tout moche avec un lavabo. Ouais. Bah, si vous avez vu la room tour. Je crois qu'on n'avait pas montré assez. Je suis pas sûr. Hein. Mais c'était un meuble tout pourri. Ouais, vraiment en aglo et tout. Et on a changé, j'ai rajouté une vase que j'ai découpée dans les planches en chêne. Bon, les planches en chêne, elles ont un peu morflé avec l'eau et tout. Bref. Oui, ouais. Et on a changé la lampe là-haut et tout. On a mis un petit truc en bambou. Kim a acheté un nouveau sèche-cheveux. Ouais, voilà. Trop bien. Vous avez jamais vu un sèche-cheveux avec un fil. En vrai, c'est pas Kim, c'est pour nous deux. On a les cheveux longs tous les deux. Regardez le fil, vous pouvez aller à l'autre bout de la pile. C'est un fil d'aspirateur. Tu peux te sécher les cheveux en même temps que t'as le téléphone avec la file et puis tu fais la cuisine en même temps. Et... Pour les cheveux longs, on a nourrissant air food à la banane. Ouais, c'est qui pas mal. Mouillé parce qu'on vient de prendre notre douche, voilà. Et le new Sayos. En fait, on a pas de marque. On prend des trucs bien. Pour les cheveux secs et tout, voilà. Ouais, les cheveux secs par contre. Ouais, c'est terminé. Voilà. Donc voilà, c'était le room tour, les gens. Vous avez vu la chambre. Il y a les toilettes là. Bon, pas très important. Ouais, les toilettes, voilà. Tout le monde a les mêmes toilettes, je pense. Si vous nous suivez sur Instagram d'ailleurs, que vous avez intérêt à faire tout de suite. Ah oui, c'est vrai, ouais. Mais en fait, vous l'avez vu. Alors, ça a un peu changé parce qu'on a mis plus de fleurs. Parce qu'on en a ramené justement la dorée du Japon. De Murakami. Ouais. Et on a mis nos trophées ici. Donc le trophée de la chaîne secondaire, le trophée de la chaîne principale, et on attend le trophée en or. En or qu'on mettra pas ici parce voilà, que ça prendra beaucoup. Mais du coup, il y a Van de BT21, il y a le petit Doraemon Murakami. Les petits. Ouais, c'est ça. C'est un petit bonhomme de Murakami aussi. Et ça, c'est les petites peluches de Disneyland en or et blanc. Je trouvais ça stylé parce qu'en fait, en haut.
Bah, il y a toutes les pop Mickey en noir et blanc avec Rilla Kuma. Vous l'avez vu sur Instagram. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. C'est pour cacher les compteurs. Bah, en fait, c'est les compteurs dedans. Voilà, on n'ouvre jamais. Compteurs avec disjoncteurs dedans, voilà. C'est ça, on n'a jamais. Notre appartement n'a jamais disjoncté. Et en fait, on a mis un super mur aimant qu'on avait eu avec une OP sur Instagram. Ouais, c'est ça. Avec les aimants, je me rappelle plus, il fallait faire plein d'aimants et tout, c'était trop bien. Et du coup, on l'a gardé. Et on a mis, des photos de BBC Wool, de Kim qui fait tchouche. Ça, si on l'avait acheté à San Francisco, au musée Tokyo, Los Angeles, Las Vegas, Osaka, Japon, Osaka, Mykonos. Et ça, c'était au Japon aussi, c'était Osaka, je crois. Ouais. On a acheté plein de trucs. Ça, c'est en Corée du Sud, avec la NCO. Bah, ça, pour tous ceux qui ont vu le vlog de Séoul. La Statue de la Liberté. Ouais. Voilà. On a gardé nos petits trucs. Ouais, on est nostalgique. Ouais, nos photos. On aime bien les petits trucs souvenirs. Voilà, voilà. Et donc, là, la cuisine. La carte du champ. Ouais, ça c'est bien. Super génial. La vaisselle, voilà. Qui est cassée. Ouais, la porte, elle est. Voilà. Ouais, oui, ouais, on a des trucs pas parfaits. Lavabo. Lavabo. La vaisselle 100% d'origine végétale. Pour ceux qui se souviennent, qui nous ont suivis sur notre chaîne aux États-Unis, on a toujours les paquets de céréales, mais avec les céréales dedans. Bah oui, parce qu'en fait, elles sont pas excellentes. Non, c'est dégueulasse. Hein. En vrai, c'est dégueulasse et elles sont périmées depuis 2019, le 31 janvier 2019. Ça fait un an que ça fait un an, ouais. Mais il y a c'est un vrai niveau NFC, hein, donc voilà. Donc on les garde, ouais, on sait jamais. Hein. Plein de rangements, voilà. Grosse table, ça c'est bien. Ça c'est bien, ouais, ça c'est vraiment bien. Plein de rangements, on a rajouté un petit meuble là. Le petit meuble qui est vachement pratique, on met toutes les petites croquettes de Séoul. Pile poil, quoi. Pile poil. Ouais, c'est dedans, il y a les croquettes. À l'aise, blaise. Ça va? On monte là tranquille, hein? C'est bien la vie, c'est beau, hein. Bah oui, en même temps, il est fatigué, monsieur partout. Oui, oui, il a un carton, c'est discount. Notre super ambition qui a échoué lamentablement, apprendre le japonais. Voilà. Et en fait, on a acheté plein de trucs et bon, on a dû lire les trois premières pages. Manekineko, voilà, c'est des trucs assez classiques hein, pour apprendre les kanji. Il y a des choses pour s'entraîner à utiliser les kanji, mais en fait, bah, on n'a jamais le fait. Après, la maison que vous avez vue sur Instagram. Voilà, en vrai, elle rend bien, hein. Non mais je suis partie de rien du tout et ça fait ça. Tous nos souvenirs de voyage, donc Statue de la Liberté. Il y a du Séoul, il y a du Mykonos, ceux qui nagent pas à Mykonos, c'est faux. Pendant le confinement, bien sûr, il y a Guillaume qui fait les courses. Ouais. Il achète beaucoup, beaucoup de choses. Ça fait deux jours qu'il a fait les courses. Regardez. Et là, j'en viens. Voilà, c'est magnifique, hein. C'est incroyable. Il est rempli de ouf. On a de la nourriture, les gens. Après la cuisine. Voilà. Donc là, c'est la pièce qui a, c'est notre pièce principale. Donc elle a à peu près changé quand même. Hein. Bah, elle a un peu changé. Alors, on a fait ça. Ouais. On a fait ça, qui était avant de cette couleur là. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Guillaume voulait absolument changer le fond de notre télé, on va dire. Ouais, pour faire un peu indus quoi. Et donc, avant jusqu'à 1h30 du matin, on a fait ça. Voilà, c'est ça, on s'amuse bien des fois. Ouais, et puis, bah, coup de tête quoi. Ouais, on a des lubies des fois. La télé, les meubles industriels, du coup. En fait, comme il y en a un qui est passé, enfin, comme ils sont passés, on a pris deux pareils. Voilà. Ouais. L'enceinte, le gant de Thanos, bien évidemment. Qui est trop cool. Et ça, ça a changé aussi. Ouais. Donc ça, c'est tout qu'on a ramené du Japon. Alors, il faut savoir, voilà, c'est ça. Ils sont en japonais, mais il faut savoir qu'il y a la langue française dessus. Tous les univers de Ghibli qu'on aime, qu'on a trouvé dans les donguries au Japon. On nous a offert, ça c'est notre frère qui nous a offert. Ouais, là, avec le château d'Ambre. Mais il y a aussi les petits Swarovski. Oui, qu'on nous a offert. Et donc, on a acheté dans le petit Lind Brown que certains reconnaissent parce que forcément, c'est le personnage de Brawl Stars et costaud. Et ben voilà, il y a les petits trucs. Là, les derniers qu'on a, c'est Porco Rosso. On en a pas beaucoup. Les Chiro, ils sont géniaux avec le petit rat. En dessous, il y a Totoro, du Totoro, Princesse Mononoke, du Pompoko, le petit souvenir du Ghibli Museum. D'ailleurs, on vous mettra une photo avec ça parce qu'on l'a en vrai. Ouais, un Lucky Cat en forme de justement du Shabus. Ouais. Et en dessous, il y a Ni no Kuni, il y a les boîtes, il y a du Totoro, il y a trop de Totoro. Je vous dis pas pour ramener ça. C'est un petit arrosoir, c'est trop cool. C'est trop mignon. Encore des souvenirs. Encore des souvenirs, mais ça, c'est on l'a acheté à Kyoto. Et oui, on a ramené ça dans nos valises. Ouais, on a réussi. Kyoto. Il y en a un qui vient du Japon aussi. C'est le tout petit. C'est le minuscule. Celui-là vient du Japon, il vient de Tokyo. Ça, c'est le petit cadeau de Noël de la part des frères de Guillaume avec tout le Seigneur des Anneaux. Ou d'anniversaire aussi. Ou d'anniversaire. Avec Gandalf, Frodon, Sam et le Nazgûl. Et puis en dessous, il y a des peluches en vrac. Ouais, Frodon. On a ramené de partout, ouais. Et en dessous, eh ben, il y a le lapin. Coucou. Coucou le mien. Coucou caméra. Et là, c'est le gros truc qu'on a acheté qui est beaucoup trop lourd. Ouais, qui fait 30 kilos le miroir. En fait, il fait 30 kilos. On peut l'attacher et c'est compliqué. En fait, il est posé sur le meuble et ça fait 2 ans, il bouge pas. Ouais, bon, on espère qu'on croise les doigts pour pas qu'il tombe un jour. Même collection que les meubles là-bas. C'est ça. Pour ceux qui se demandent, c'est Maison du Monde, hein, sans faire de pub. Ouais, c'est pas ultra costaud, mais ça va, c'est sympa. Ouais, c'est ça. C'est visuellement joli. Le Majora's Mask, forcément. Ouais, que vous avez vu en vidéo aussi, hein. Et par contre, vous avez pas vu ça. Vous avez pas vu ça. On a acheté au Bordeaux Geek Festival.
Et en fait, c'était des, c'est des réplicas. Alors, c'est pas officiel, mais c'est des réplicas de. Vas-y, détache-toi les cheveux. Non, 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 non. Et c'est une réplica de, du marteau de Thor. Et il est très lourd. Bah, il est très lourd, il est vraiment en métal et tout. Ouais. Et il fait 4 kilos, je crois. Et oui, on a un vieux téléphone. Mais c'est et un vrai téléphone. Il fonctionne vraiment. Oui. Oui, oui, d'accord, je vous la passe. C'est une tirelire. Ouais, c'est une tirelire en même temps. Avec des centimes, de 5 centimes et 1 centime. Voilà. Et en fait, vous le mettez là. Attention, écoutez. Yeah! Mais ça marche sans, hein. Vous pouvez téléphoner sans. Voilà. Et par contre, vous avez oublié ce que c'était de téléphoner en filaire. Voilà. C'est horrible, les gens. Ouais, je peux presque faire la cuisine. Hein. Vas-y. Ah, il est assez long. Ouais, mais après, c'est tout, hein. Tu vas pas plus loin. Il reste un petit coin dans le salon, c'est le tableau. Ouais. Voilà, on a acheté un grand tableau, bon, qui est pas un vrai tableau, hein, parce qu'en fait c'est une impression. C'est ça. Et c'est le coin avec le lapin, parce qu'il y a un arbre à lapin là. Voilà. Un arbre à lapin. Il y a tout un truc escalier qu'on avait acheté, c'était énorme. Ça, c'est fait chez Ikea. C'était une collab et c'est en métal. Et en fait, c'est des carreaux et dedans on a mis tous nos Blu-ray. Tous nos Blu-ray. Et d'ailleurs, ouais. Ça c'est nos Blu-ray, regardez. La pièce, voilà, la plus importante. Bon, vous avez zappé un débarras aussi, hein. C'était pas très intéressant. Oui. Mais la pièce que vous connaissez, avec plus de détails cette fois-ci, parce que vous allez pouvoir voir exactement à peu près ce qu'il y a en détail. Donc je vais vous montrer qui me montrait son setup après. Yes. Qui a la chaise, forcément, ma première chaise. Hein. Ça c'est pour le... ça c'est ma partie ça, c'est setup. Pour... ouais, voilà, c'est pour s'asseoir. Et on est en train de changer un peu, donc là j'ai mis ma collection de cartes Pokémon. Ouais, là il y en a là, là, il y en a partout. Il y a des displays, il y a des trucs trop cool, il y a des boosters un peu de toute édition. Regardez, il y a du, là c'est short, je crois qu'il y a voilà, du jungle français. Ça, c'est beau, c'est beau. Guillaume, il a tout rangé dans des petits plastiques. La collection Alien qui est trop bien. Le grappin. Bon, Guillaume a mis les petites lumières. Ouais, c'est bien avec les petites lumières. Hein. Bah, j'ai fait passer derrière Vitzef, hein, mais c'est, ça rend un peu plus stylé. C'est ça. Zelda. Le Pokémon et Spike. Donc ça, on l'a refait il y a pas longtemps avec ce qu'on a acheté au Japon. Avec tous les jeux Pokémon sur Game Boy en fait. Voilà, bah c'était pour faire Pokémon épée, puis on a laissé parce qu'on aimait bien. Ouais, c'est pour ceux qui savent pas, on a beaucoup de jeux. Oui. Et bah du coup Zelda, l'armoire rouge avec tous les manettes. Nos jeux Switch. Tous nos jeux Switch partout. Avec certains en double, mais évidemment. Et des amiibo aussi. Des amiibo. Et là, des... Ouh ! Et des figurines Zelda encore. Ouais. Bah ça, c'est trop bien. On l'a acheté à Tours à quelqu'un qui faisait des peluches. Elle est trop mignonne. Elle est trop cool. Elle est trop mignonne. Le Wind Waker, bien évidemment. Jessie derrière, du Dragon Ball. Poco. Du Fortnite. Du Zelda. Du Link. Skull Kid. Encore du Link. Dark Link. Le coussin GK. Et Toad, Boo et Masca, c'est tout. Ouais, trop mignon. Trop cool. L'armoire Pokémon. Voilà, donc ça, on avait mis du temps à la ranger, donc on l'a jamais refait. Ouais, parce que du coup, il y a les évolutions. Est-ce qu'on a rajouté des trucs, ouais, on a dû rajouter des trucs. On a rajouté quelques petits trucs qu'on avait achetés à Osaka, je crois. Pareil avec toutes les consoles, donc Mega CD, NES, Super NES, ça c'est la Wii. Non, c'est pas la Wii, ça. Non, ça c'est la... La Xbox. La Xbox. La mini NES, le PSVR, les Switch. De Switch. La Switch de secours. Au cas où. Donc elle est neuve, c'est parce qu'en fait, on l'a eu vraiment pas cher. Et c'est au cas où. Eh bien, c'est le cas bah, elle plante, si toi, quand on fait des vidéos. Hein. Voilà. Et après, là, c'est un peu de bazar. Bon, aussi, là. Bah si, du Zelda, quand même. C'est cool. Ouais, bah c'est juste que je m'en optimisais. Ah oui, ça c'est trop bien, je voulais pas montrer. J'ai pas mis de piles, donc il y aura pas de bruit, mais regardez. Oh. Énorme. Ils sont trop beaux. Et en ils plus, sont ils sont ultra lourds, c'est des presse-papiers. Ils sont énormissimes. Ils sont très beaux. Ils sont trop cool, hein. Ouais, ils sont les vraiment rubis, beaux. Donc un rubis de 20, un rubis de 5 et un rubis de 1. Coucou. Il se met sur le petit tapis, enfin le grand tapis qu'on a acheté qui est tout doux. C'est un vénère de la vie. Ouais. Regarde, il est trop mignon. Coucou, c'est où? On va attaquer ton appareil photo. Coucou, c'est où? Il est pas content. La pièce où on ne va jamais. Fermé. Donc déjà j'ai mon petit siège lapin. Ouais. Qui est tout mignon, tout beau. Tout rose. Bah t'as un super rideau rose aussi. Ouais, on voit pas trop rose alors c'est très lumineux un mais. Super. Aspirateur, voilà. Aspirateur Dyson. On a le sèche-cheveux et l'aspirateur. Et donc là c'est le setup. Alors on avait déjà les deux écrans la dernière fois. Ouais. C'était en version noire et là. C'est et là ils sont en version blanc et rose. Voilà. Déjà il y a les Elgato aussi. Ouais. Ils sont vachement bien les Light Desk. Comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle exactement le nom mais en tout cas c'est des spots et avant on avait les spots qui sont là-bas là. Ça. Voilà, qui sont tout là-bas et ça prenait trop de place. Et du coup, on a acheté ça et c'est vachement bien, c'est des LED donc ça consomme que dalle et ça éclaire aussi bien qu'un spot et ça prend que dalle de place en voilà. Fait. Regardez l'épaisseur du truc, les gens. Voilà, mais tout le monde les a. Hein. Ouais, il y en a beaucoup. Hein. Tous les streamers ont ça, c'est énormissime. Donc l'écran, ça c'est pour jouer aux jeux de Switch. Ouais.
Donc la Switch qui est en dessous avec la Xbox et la Wii U qui est encore en dessous. Voilà. Les manettes, donc ça c'est une partie PS3, il y a une autre Xbox, voilà, il y a plein de trucs. Hein. Bah là le setup en dessous il est pas très joli, mais le principal c'est au-dessus. Et c'est les iPads. Ouais, les iPads, donc l'iPad Pro 10 et la 10 pouces et un 12 pouces mais un plus récent. Ouais, il est méga lourd. Dans lequel on a investi il y a pas longtemps parce que celui-là, il fait des caprices des fois et pour record des jeux, on va avoir besoin de celui-là, je pense, faut qu'on s'habitue à utiliser mais il est énorme, c'est un écran en fait. Donc le même écran que celui-là mais en version plus high level. Ben en 4K en fait. Voilà, avec toutes les cartes SD, ouais, il y en a beaucoup. Ouais, ben bah, forcément, c'est le truc du vidéaste hein. Les cartes SD, on en a beaucoup trop, je pense qu'on en a au moins 20 qui sont disséminées un peu dans tout l'appartement. Et la caméra clavier. Oui, le clavier déjà. Le clavier, attends, il est magnifique, Incroyable. Fleur de cerisier, Sakura. C'est les Cherry MX. Comment s'appelle la marque? Je me rappelle plus. Je me souviens plus non plus. Mais ils sont ultra lourds en fait. Ils sont c'est trop énorme. Bien. En fait, on a vu ça dans. On s'était renseigné parce qu'on en avait vu sur le championnat du monde de Fortnite. Ouais, c'est ça l'année dernière. Et ils sont trop bien. Ouais, ils sont trop bien. La caméra qui est toute nouvelle, toute neuve, il y a 3 ou 4 mois, je dirais. C'est ça, c'est une grosse Sony quoi. Elle fait des grosses vidéos, mais elle est ultra qualitative. Vous l'avez peut-être remarqué, peut-être pas. Après, comme on se montre pas en grand écran, ça se voit pas souvent. C'est Kim, le micro aussi. Il sert plus à rien, du coup il y a plein de poussière. Mouton, hein? Mouton, qui est trop mignon. Sur Instagram aussi, voilà, on essaie de vous montrer quelques objets des fois assez emblématiques. Et la box 4G Bouygues qui est trop cool. Ouais, merci à Bouygues d'ailleurs, parce que en vrai, punaise quoi. Et en plus, t'as encore une meilleure connexion maintenant avec Bouygues, c'est génial. Ouais, voilà. C'est trop cool. Et t'as pas montré ton super truc BT21 avec Cookie. Bah oui, donc là c'est le Mac dedans quand on part en voyage. Ça c'est notre ordinateur de voyage. Et nous sommes vidéastes donc nous avons beaucoup de matos. Bah c'est vachement bien, c'est assez puissant en fait pour le voyage. Voilà, pour faire des vlogs, des choses comme ça. Voilà, et t'as super truc rose. Ouais, et ça c'est tout nouveau, tout neuf. Ça date de il y a, allez je dirais, un mois. C'est moi qui ai donné l'idée à Kim pour faire un coin rose et blanc. Une armoire rose et blanche avec tout ce que j'ai de rose et blanc dans les différents jeux vidéo qu'on avait. Ouais. Bon, à part Genji, hein. il est pas rose et blanc. Je sais pas pourquoi il est là. Ouais, mais c'est vrai qu'il est là. Donc il y a monsieur, je sais plus comment, monsieur Proto. Non, on l'appelle monsieur Proto. Mais c'est un personnage de Sanix. Donc ouais, il est trop cool. Il y a Hello Kitty Shopper. Il y a du Harale, du Splatoon. Il y a le Kirby 25 ans. La peluche Pokédelle des Nymphalies. Petit poropo de League of Legends, Sakura Cartasor, du Kiki, mon chichi, Hello Kitty, yes. Du Yoshi Kitty pour tous les fans de InJapan. Là, il y a du Brawl Star. Yeah, et la gemme à côté, t'as Hello Kitty Splatoon. Elle est trop belle celle-ci. Celle-ci, elle est trop belle. Hello Kitty Splatoon et Hello Kitty Splatoon. Et Hello Kitty, la durée. Ça, c'est trop cool. On l'avait acheté à New York. Si vous connaissez le même, il est énorme. Ouais, c'est et après, génial. Il y a tous les jeux 3DS. Voilà, forcément. Et lui? Vous l'avez jamais vu? Venu d'ailleurs. Le grappin est notre maître. Je vous quitte pour un monde meilleur. Nirvana en vue. Ah, il l'aime bien. Il lâche. Il s'est trouvé un nouveau copain. Un visiteur venu d'ailleurs. Ah, il non, il l'aime pas. Il l'aime pas, le visiteur. T'aimes pas les visiteurs, lapin. Le meilleur pour la fin. La cage de Noël Petit Chapichou. Ouais. De Petit, et il a une cage suprême, les gens. Ouais. C'est incroyable. Vous êtes jaloux. C'est son setup. Hein. Setup caca. Voilà, juste dans le coin. Setup. Bon, qu'on lui a mis ça, c'est trop cool parce que du coup, ça lui met mal les pattes. Ouais. Setup céleri branche. Et le setup que vous avez vu tout à l'heure, setup carton. Voilà. Hein, c'est pas de la pub, c'est juste qu'il aime pas ses discounts. C'est les abonnés qui nous avaient offert ça. Regardez, c'est plein de petites peluches. Ouais, il met son odeur dessus. Dont lui qui lui ressemble, regardez, c'est son ami. Ouais, c'est son copain. Il a un copain lapin comme ça. Non, il l'aime pas, je crois. Ah si, il est à lui. Il met son odeur. On se retrouve à la fin, forcément, de cette vidéo, les gens, avec bébé lapin. Ouais, bébé lapin. Donc vous inquiétez pas, hein, il est habitué à nous, il nous suit partout, vous savez, il nous suit même aux toilettes. Non mais il est encombrant, hein, de ouf. Hein. C'est un chien. Ah d'ailleurs, on peut lui faire. Vous verrez. On vous réserve le truc, parce que je pense qu'on vous fera une vidéo spéciale lapin. Oui. Spéciale Séoul, un de ces quatre, quand on aura la motivation. 24 heures en confinement quand, à Séoul. Quand il sera pas trop relou aussi. Et on espère que ça vous a plu comme vidéo. Notre appartement dans lequel on est en confinement d'ailleurs. On vous a pas montré notre papier toilette, mais. C'est du triple épaisseur, Lotus. Voilà, faut avoir ce qu'on veut. Ouais. Et non, mais voilà, on vous a pas tout montré, mais le principal, pour vous montrer un petit peu comment ça a changé notre environnement. Bah, surtout notre setup gaming, notre salle de YouTube. Bah, il y a aussi un balcon, mais on ne veut pas le montrer non plus, parce que sinon vous allez voir les voisins. Coucou les voisins. Mais en vrai, on espère que ça vous a plu. Ouais, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, et puis on vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez salut!